Je m'appelle Foufouet d'Immobilité, je suis suisse, je travaille à Genève, je suis danseur chorégraphe et je suis très content de présenter plusieurs pièces, cinq en tout, à la Biennale de Alors Gironde. d'abord, il y a eu l'autoportrait, une invitation de la manufacture, et je me suis tout de suite posé la question de ce que pouvait être un autoportrait dansé. Et voilà, alors du coup j'ai fait des liens avec l'autoportrait peint et puis l'autobiographie. Alors ensuite il y a eu le groupe Dance Run, l'Ormont, et ça c'était avec 17 amateurs. Et c'était une première parce que j'ai fait l'expérience de faire ces spectacles qui s'appellent des Dance Run, souvent seul. C'est donc une course dansée ou une danse courue sur plusieurs kilomètres dans une ville. Et puis, qui fait des rapports entre la danse et le sport, et entre la performance, et le spectacle. Il y a eu, Histoire condensée, et ça c'est une, conférence dansée ou un spectacle-conférence sur l'histoire de la danse, principalement du XXe siècle. Quelque chose que j'aime beaucoup faire depuis plusieurs années. Mais là en particulier, j'ai voulu faire une pièce, qui est comme un cours d'histoire. Archi vivant, c'est-à-dire en live, en interaction avec le public, avec des vidéos, mais je suis en interaction avec ces vidéos, et puis surtout, j'essaye, avec mon corps et ma personnalité, d'interpréter plusieurs styles et de passer à travers les âges de différentes danses. Alors, le spectacle suivant, c'est Pina Jackson in Mers Moriam, qui est donc un. Sorte d'hommage à trois grands de la danse décédés à 5 semaines d'intervalle en l'été 2009. Donc il y avait Michael Jackson, et puis 5 jours plus tard, il y a eu Pina Bausch qui est morte, et puis 26 jours plus tard, Merce Cunningham. Et juste après ça, je me suis dit que ça serait intéressant de faire état de ce fait historique, unique. Et de les réunir sur scène dans une pièce. Alors moi je suis très content de participer à cette biennale parce que j'aime beaucoup l'idée de déclinaison, de pouvoir faire à un certain moment une sorte de point et de dire voilà ça, il y a ce genre de répertoire, ces différentes facettes d'un chorégraphe. Pour moi, c'est parfait parce que il me semble quand même que les propositions sont assez différentes les unes des autres. Donc, j'aime beaucoup ça. Et puis, j'ai beaucoup de plaisir à venir ici. Je travaille beaucoup, donc finalement, j'ai pas vraiment le temps de vraiment sentir la vie bordelaise. Mais j'ai un très bon sentiment d'y être. Et puis, surtout, en fait, je me dis que j'aimerais bien y retourner et cette fois-ci présenter des pièces de groupe et en fait développer l'espèce de début de connaissance, de reconnaissance qu'on a fait avec le public bordelais et essayer de continuer cette relation et voilà, de développer cette relation. Donc j'aimerais bien revenir.